21 avril dernier, une ancienne élue de l'UMP en Corse du Sud, Marie-Jeanne Bozzi, était abattue en plein jour sur une place publique à Porticcio. Sans doute un règlement de compte, le 7e depuis le début de l'année. Cette escalade de la violence liée au grand banditisme inquiète la population qui se demande ce que font la police et la justice. Les politiques semblent tout aussi désemparés. Reportage de Camille Girard avec François Renaud et Chloé Davant. C'est l'histoire de la région où on tue le plus en Europe. La Corse et son cortège d'assassinats. 17 morts en 2009. Rapporté au nombre d'habitants, c'est plus qu'en Sicile. Fin avril, à Porticcio, un meurtre marque les esprits, celui d'une femme. Marie-Jeanne Bozzi, ancienne élue UMP, 8 balles dans le dos en plein jour. Une escalade dans la vendetta. Nous sommes à l'Assemblée de Corse, le cœur du pouvoir politique de l'île. Dominique Bouquigny en est le président communiste depuis plus d'un an. Bien dormi ? Oui, ça va. Pour l'instant, ce qui occupe leur discussion, c'est le foot. T'as eu la bidale. Ah, moi je deviens fou, c'est que je pense qu'à ça depuis ce matin. D'ici à Médic, t'as eu la bidale. C'est soumis qu'il y a Sindio, entre le conseil économique ou rejoint Diabat. Et à la nana du groupe de Montemévoir. À Sabine, je crois pas que tu préfères la voir plutôt que moi. Ah, ben l'intérêt. Elle est de mon village, puis elle est mariée à un copain. Une assemblée qui se réunit pour la première fois depuis l'assassinat de Marie-Jeanne Bozzi. Ça va, Fabienne, va bien. Et boy. Ah, va, vous voyez. Dans l'hémicycle, tous ont eu affaire à la violence. Même Paul Giacobbi ici, sorte de premier ministre de l'Assemblée de Corse et député. Le soir du premier tour des cantonales, son bras droit a été assassiné. On commence dans 2 minutes. Je veux parler de la spirale criminelle qui atteint, avec l'assassinat de Madame Marie-Jeanne Bozzi, des niveaux insupportables. Le meurtre d'un élu revêt forcément une résonance particulière. Dans une île comme la nôtre, de tels symboles ont un sens. Ils traduisent incontestablement le franchissement d'une étape dans la dérive mortifère qui empoisonne notre vie quotidienne. 10 minutes et on reprend. Ça suffit. Il vaut mieux utiliser la parole, débattre, débattre d'une manière vive, dire lorsqu'on est dans une hémicycle ou ailleurs, et ne pas utiliser une arme. Le meurtre de Marie-Jeanne Bozzi a ému la Corse. Une ancienne élue, connue également pour sa proximité avec le milieu. Son frère, assassiné lui aussi, aurait fait partie de la bande du Petit Bar à Ajaccio. Des règlements de compte en série, dans lesquels l'État tient sa part de responsabilité, selon cet élu nationaliste. Je pense que d'un problème qui au départ est un problème de gangstérisme, qui a été voulu par l'État, qui à un moment donné a privilégié les bandes de voyous pour contrer le mouvement nationaliste, aujourd'hui on se retrouve face à un phénomène boule de neige, et d'un système qui est un système pré-mafieux, aujourd'hui on est dans un système de vendetta transversale. En deux mots, une dérive à la sicilienne. 400 à 500 meurtriers dans la nature. C'est ça qu'il faut réaliser aussi. Il n'y a pas que les morts. Il y a les générateurs de morts. C'est-à-dire après, vous êtes dans une société qui est mortifère. Et vous avez une banalisation du passage à l'acte aussi. Mais quand on va voir le procureur d'Ajaccio, pour lui, il n'y a pas particulièrement de problème avec la Corse. La Corse, c'est une région française comme une autre ? Au risque de vous décevoir, oui. Je crois que ça y ressemble beaucoup. Je crois qu'il faut arrêter un peu les fantasmes. Mais en disant ça, je ne veux pas non plus dire que tout va bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on dit peut-être des choses qui ne sont pas tout à fait réelles sur ce qui se passe réellement en Corse. 6 élus tués en l'espace de 20 ans, c'est quand même pas un fantasme. Non, ça, c'est pas un fantasme. Oui, oui. Quelques chiffres rappellent qu'en Corse, les règlements de compte sont courants. 330 meurtres ces 20 dernières années. Ce qui est quand même très curieux en Corse, c'est que vous avez un assassinat. Par exemple, il y a eu l'assassinat de Marie-Jeanne. Pas eu d'arrestation le lendemain, rien. Gabriel Xavier Couglioli connaît bien le milieu. Il était proche de Jean G. Colonna, souvent présenté comme le parrain de la Corse. Et depuis sa mort en 2006, c'est la guerre des clans.
Il m'avait dit, si un jour je viens à disparaître, ils vont le regretter parce que tout va s'écrouler. Et c'est ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire que c'est Jean Gé qui dirigeait tout, mais ça veut dire que sa présence faisait que des conflits potentiels n'arrivaient pas sur le champ de bataille. Dans la voyoucratie, il y a toujours les problèmes d'anticipation. C'est je te tue parce que je pense que tu veux me tuer, donc je te tue avant. Donc c'est un monde de violence, hein, de toute façon, où les choses seraient... Il n'y a pas de demi-peine, hein, il n'y a pas de prison. C'est où on vit ou on meurt. Pour tenter de mettre fin à cette spirale meurtrière, le président de l'Assemblée a mis en place une commission sur les violences. Demi-victoire, hein. Tous les mois et demi, il réunit des petits groupes de réflexion. Et on téléphone à Rognon pour dire qu'on est en marche. Tu n'as pas le numéro de Rognon, Marie-Charles, toi. Et on m'a volé mon téléphone. Ah, on te l'a volé? Oui. Ce matin, le sujet, c'est la violence à Bastia et Ajaccio, les deux plus grandes villes de l'île. Et une élue en profite pour dire son ras-le-bol. Si vous nous avez appelés, c'est que vous avez envie de nous entendre sur certains points. C'est qu'on a besoin de vous. Quand on voit un jeune qui est assassiné dans une rue de Bastia, devant une boîte de nuit, il est en train de faire pipi, il est assassiné par des gens, par des jeunes de son âge, j'en ai froid dans le dos. Donnez-nous des réponses. Voilà. Bien, on va remercier donc Juliette de cet élan de passion, etc. Bien, très bien. Une commission qui permet de libérer la parole, mais qui a peu de chances de régler le problème du grand banditisme, selon cet ancien élu socialiste. Les élus corses n'aiment pas qu'on parle de ces questions. Alors les uns prétendront que ça fait du mal à la Corse. Comme si dire la vérité ou parler de la vérité, ça faisait du mal. Les autres sont gênés parce qu'on a des amis un peu partout, etc. Bon, ils sont puissants. Ils ont des gens, ils ont du monde, ils ont de l'influence. Un élu normal et bien constitué, il ne combat pas les gens d'influence. Ah, ça. 7 janvier 93, les inquiétudes de la justice. 95, ça c'était l'assassinat du président de la Chambre d'agriculture d'Ajaccio. 27 balles dans le corps. Pas d'état de droit en Corse. 93 encore. Et rien n'a été fait en 20 ans? Ben, vous voyez le résultat. Est-ce que vous seriez ici si ce problème avait été réglé? Il y a une dizaine d'années, un procureur lui avait fait cette confidence. Vous savez, le procureur Legrand, il m'avait dit un jour, M. Carlotti, la différence entre la mafia sicilienne et chez vous, c'est que les Siciliens, généralement, ont des hommes politiques dont ils se servent comme marionnettes. Mais ils ne sont jamais en première ligne. Chez vous, vous verrez, ils finiront par se présenter aux élections. On n'en est pas loin. On en est là. Une Corse malade de sa violence, de sa promiscuité entre les milieux et d'un État qui ne parvient pas à trouver de solution. Depuis 15 ans, à peine plus de la moitié des crimes sur l'île a été résolue, bien en dessous de la moyenne nationale. Et sans même parler de la Corse, est-ce que vous pensez que la sécurité est encore de beaux jours dans les thèmes de campagne? Oui, et puis ce qu'il y a de beaux jours sûrement aussi, c'est l'instrumentalisation dont elle sera l'objet. Mais là, la Corse, on peut en parler quand même une seconde. Je regardais avec beaucoup d'attention ce reportage. C'est assez effroyable tout de même quand on met tout ça bout à bout. J'avais un grand ami qui était un des plus grands philosophes du XXe siècle, qui était corse, français, d'origine corse, qui s'appelait Jean Toussaint de Santi. Et il disait, il est mort il y a 10-15 ans peut-être, c'est vraiment l'un des phares de la pensée française dans la deuxième partie du XXe siècle. Et il disait, ce qui est le plus choquant concernant la Corse, pour moi qui suis corse, c'est que il y a une espèce de regard folklorique sur la Corse par les Français, qui consiste à penser qu'au fond, la violence ferait partie de la culture nationale, de l'état de nature corse, au même titre que les beaux paysages, les falaises à pic, ou les maisons luxueuses construites sans permis de construire. Ce qui est sûr, c'est que ça ne surprend plus personne. Ça ne surprend plus personne. Il y a une espèce d'évidence comme ça, de sentiment d'évidence devant cette accumulation d'horreurs, à quoi il me semble qu'il faudrait peut-être, les uns et les autres, que nous réagissions. Oui. Que l'État réagisse, que rétablisse son autorité. L'État, peut-être, je ne sais pas. Je pensais même, en regardant ces images, je me demandais si... Alors, c'est à double tranchant, évidemment, mais je ne sais pas, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, par exemple, face à certaines situations, de boycotter le tourisme en Corse pendant un certain temps? Si vraiment la Corse, c'est ça. Si vraiment c'est la Sicile puissance 10, mais alors qu'est-ce qu'on va faire quand on va à l'hôtel en Corse? Là, il faut donner un coup d'arrêt. Il faut que ces
cette minorité de Corses, parce que c'est une minorité bien sûr, cette minorité de gangsters qui font la loi, qui transforment les politiques en marionnettes, qui abattent leurs adjoints, etc., il faut qu'ils comprennent quand même qu'ils ne peuvent pas jouer sur les deux tableaux. Mm-hmm. D'un côté, jouir des bénéfices d'être l'île de beauté, mm-hmm. parce que c'est quand même un des plus beaux endroits du monde, la Corse. Et puis de l'autre côté, se livrer à ces activités dont on a eu l'écho. Alors, il y a...